Je me présente. Donc, je m'appelle Souad Yambaye. J'ai 38 ans. Je me suis mariée jusqu'octobre 2018. J'ai 8 ans de mariage. Puis j'ai fait deux fois une fausse couche. À partir de là, je n'ai pas eu l'enfant. Et puis j'ai été très plusieurs fois. Je ne sais pas, parce que j'ai la thyroïde. On m'a opéré. Je prends les produits, les Livitérox. C'est un produit hormonal. Donc je ne sais pas, c'est à cause de ça que je n'aurai pas l'enfant. Non, j'ai contourné tout l'hôpital. Et maintenant, dernièrement, ils m'ont dit que non, ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas m'aider. Donc il y a un appareil, ils n'ont même pas cet appareil-là ici. Ça demande que je parte à l'étranger. Je n'ai pas le moyen en ce moment. Comme j'ai appris qu'il y a des spécialistes qui vont venir, c'est pour cela que je suis courue derrière vous. Oh, non, mon souci, c'est avoir un enfant. À chaque fois, si je pense à ça, je n'arrive même pas à maîtriser. Non, mon souci, c'est avoir un enfant, c'est tout. Je n'ai pas d'autres soucis. Pas d'argent, pas ceci. Mon souci, c'est pour avoir un enfant. C'est ça, mon souci. Lui-même, de son côté, il cherche. Moi-même, je cherche. Et malheureusement, lui, il a des enfants. Avant, non, il a des enfants, il a sa femme, il a des enfants. Des êtres humains, ils réagissent comme ils veulent. Comme peut-être, moi, que je n'ai pas un enfant, je ne suis pas peut-être considérée ou je suis... manque de quelque chose sur moi. Ils ne peuvent pas regarder que parce que Dieu ne m'a pas donné. Mais ils peuvent me regarder que je suis inférieure d'eux. Si la personne pense, elle sait que non, c'est pas Dieu n'a pas voulu. Ça se comprend. Mais la personne, en te voyant, tu n'es pas quelqu'un devant lui parce que tu n'as pas l'enfant. C'est ça qui me choque. Moi, je n'ai pas de problème avec ma belle famille. Moi-même, j'ai mon souci. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. À cause de pourquoi je n'ai pas eu l'enfant. Donc, je n'ai pas de problème avec eux. Mon problème est qu'on cerne moi-même. Un jour, personne m'a parlé que pourquoi tu n'as pas eu des enfants. Mon problème, on concerne moi-même. Moi, je ne me sens pas à l'aise. Vivre avec un homme, tu n'as pas l'enfant. Au moins que j'ai resté plus de 8 ans, j'ai l'espoir pour avoir un enfant. Il dit peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être demain, jusqu'à le temps est passé. Au début, un petit problème, mais maintenant ça va, il a compris. Tu sais, même s'il n'a pas, lui, il n'a pas de problème, les entourages, les amis, les gens vont parler. Et lui, en tant que tel, on n'a pas de problème sur ce problème-là. Mais moi, je me sens gênée. J'ai tous les problèmes. Quand je reste, je suis heureux, je reste comme ça. Mais quand je pense que je n'ai pas d'enfant, je vois que ma vie n'a pas de sens.